Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon 172 d'aujourd'hui, nous continuons nos mains explicatives depuis la main 170 concernant la théorie du mort inversé. Prenons l'exemple suivant. Vous voyez ici que Sud a gagé 6 cœurs. Ne nous attendons pas à la méthode. Il s'agit d'établir comment jouer le jeu. Et l'entame est de la dame de carreau. Six cœurs est facile. L'as de carreau est pris. Suivi du valet de cœur pour enlever les atouts. Du cœur. Suivi de l'as, du roi de cœur, et des 5 tours de pique, des deux cœurs et de l'as de trèfle. Sud n'aurait qu'à perdre une levée de trèfle. Pourquoi je vous présente cette main-là? Regardons la main maintenant. Si Sud se rend jusqu'à 7 cœurs, ou s'il avait gagé 6 cœurs, mais s'il avait voulu faire 7 levées au lieu de 6, pour faire plus que ses adversaires. Vous voyez donc que l'as de trèfle fait une levée en trèfle, mais que le petit trèfle est toujours perdant. Et qu'il n'y a pas moyen de discarter le trèfle perdant sur une carte de nord. La méthode, c'est d'utiliser la technique du mort inversé, puisque vous voyez que même s'il y a as au roi dame de cœur dans la main de sud, le valet, le 9 et le 8 l'emportent sur les petites cartes de cœur de Sud et permet d'enlever les atouts des adversaires, mais en utilisant As au roi dame pour couper le carreau. C'est là qu'il est important de couper avec les honneurs de la main longue. Voyons le tout en action. Donc, sur l'entame de la dame de carreau, le 2 est joué, suivi du 5 et de l'as. Et il est important maintenant pour Sud d'utiliser les entrées de nord pour au moins couper 3 cartes de cœur. Donc, au lieu d'enlever les atouts, il commence par jouer un petit trèfle vers l'as. Il coupe un petit carreau de l'as de cœur. Il n'utilise pas l'entrée de cœur immédiatement, il utilise l'entrée de pique. Il coupe encore un petit carreau du roi de cœur. Il revient maintenant d'un petit cœur vers le 8, puisqu'il aura besoin du valet pour capturer le 10. Il coupe un dernier carreau avec la dame de cœur. Il revient maintenant du 10 de cœur, capturé du valet. Il utilise leur dernier atout pour enlever les atouts et pour discarter le trèfle qui était perdant. Et il ne reste plus d'atouts chez les adversaires. Il utilise simplement le 3 de pique.
pour faire les dernières levées en pique. Il a réussi 7, ou 6 était possible, mais vous voyez que l'important était de diminuer la longue avec moins de cartes que la main de Nord. Donc, il restait à 2 cartes de cœur, mais il utilisait les petites cartes de cœur de la main Sud pour rentrer. C'est une technique, comme je vous mentionne, rare, mais qui est très intéressante dans des situations qui s'appliquent ainsi lorsque les honneurs de la main courte sont forts, qu'il existe d'autres entrées sur la main courte pour pouvoir faire les coupes et on utilise à ce moment les cartes fortes de la main longue pour couper. Donc, nous verrons d'autres mains dans les semaines suivantes. Je vous invite à regarder la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine.